exposition qui est un spectacle, et un spectacle qui est une exposition, et donc ça n'existe pas. L'idée, c'était de faire rencontrer le public et Piaf à travers tous les objets qui l'ont accompagné tout au long de sa vie. À l'intérieur du décor, tout fonctionne. La lampe à huile, le gramophone, il y a son costume de poilu pendu à une patère, etc. Et suivant à l'heure où vous arrivez, soit il se rase, soit il lit le journal allongé sur son lit, soit il mange à sa table, etc. Et vous pouvez lui poser des questions. Marc et Daniel Bonnel nous ont fait confiance. C'est que quand ils sont venus à la maison et qu'ils ont vu tout ce qu'on avait comme collection, on avait déjà une collection énorme. On avait fait le tour du monde, pratiquement, pour ramener des documents sur Piaf, que ce soit des posters, des affiches, des photos, des récitals inédits. Le public va être imprégné dans la vie quotidienne d'Edith. Tout à fait. Petite, à 61. On a pu la connaître. Ouais, à Piaf, de la MoMa Piaf, finalement.